Depuis quelques jours, sur certaines publications, mes publications, certaines personnes viennent mettre les commentaires franco-titi quoi de l'affaire Muriel Blanche. D'autres ont même l'audace de m'écrire eBay pour me dire: Franco, tu ne parles pas de l'affaire Muriel Blanche et son milliardaire. Vous voulez que je parle? Ok. Je vais donc parler. Mais avant, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo et je vous prends après. Mais ça va péter. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ok. Moi, je ne sais pas ce que Muriel Blanche a fait aux Camerounais. Je m'intéresse. Je ne sais pas ce que Muriel Blanche doit aux Camerounais. Vraiment, c'est malheureux. C'est un peu comme je me dépose souvent la question: qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait de mal aux Camerounais? Je sais que quoi? Samuel Eto'o a tout donné pour le football camerounais. Ah bon? Ah bon? Mais aujourd'hui, même les enfants qui suppliaient la télé chez les voisins, qui faisait des kilomètres pour le regarder à la télé, se lève pour lui parler n'importe comment. Les gens, ils sont comme ça. Soit ils veulent vous humilier, soit ils veulent vous salir, soit ils veulent détruire votre crédibilité. Quand le cinéma digital a commencé au Cameroun, Muriel Blanche et Marcel Cuétier ont formé le groupe Pac-Nien, qui a fait rêver toute la toile. C'est vrai. Qui a également concurrencé les autres dans d'autres pays. Et aujourd'hui, quand on parle d'actrices de cinéma au Cameroun, Muriel Blanche est l'une des figures emblématiques de ce cinéma. Hey, laissez bien. Mais grande est ma surprise de savoir que chaque année, que par an, elle bouffe au moins 4 à 5 tontines. Quoi? Que par an, elle bouffe au moins 4 à 5 tontines. Quoi? Si nous ne respectons pas nos stars, qui le fera à notre place? Point d'interro, gaffe. Vous voyez comment au Nigeria, le public valorise les stars? Vous les qui? Vous voyez comment en Côte d'Ivoire, le public sécurise ses stars? Quitte-la! Vous voyez comment au Ghana, le Cameroun est le seul pays où quand tu as le succès, les premières années on t'applaudit. Après on veut seulement te descendre. C'est grave. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Après on ne veut plus te voir. Vraiment, on est ça, ça nous met notre cœur mal au cœur. Vous avez fait la même chose à Aveiro. Ah bon? Aveiro a sorti Rambo. Il a sorti il a sorti pas mal de chansons. Vous avez apprécié. Mais après vous êtes retourné contre la femme d'autrui. Le gars a lui fui. Jésus! Imaginez un peu. Il est parti caler en Europe. Dans ce pays, mon frère. Même chose pour Dynastie. Hey! Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas être vrais envers les artistes qui nous valorisent? Je sais que quoi? Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Voilà, aujourd'hui, vous avez suivi que Muriel Blanche veut se marier. Non, c'est vous tous les jours aussi qui dites que les influenceuses ne montrent jamais le bon exemple. Les influenceuses ne se marient pas. J'ai dit que... Laisse, mon frère. Hey. Que les influenceuses sont les vendeuses de condiments. Quoi? Que les influenceuses sont les vendeuses de condiments. Non, monsieur. Non, gars. Mais voilà une qui veut montrer le bon exemple avec son frère camerounais. Les Camerounais, les Africains, on a vendu la honte au chien, mon frère. Il y a un énergumène sur internet, on l'appelle que ou c'est Zuquois, machin. Quoi? Ou c'est Zuquois, machin. Hey! Qui a décidé de détruire le mariage, mais tu ne peux pas. Tu as la mentalité d'acier. Si dedans, c'est le fer, mon frère. On dit que ce que Dieu a décidé d'unir, personne ne peut séparer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Tu ne peux pas. Mais ça c'est la magie. Ils sont en train d'entendre de la sorcellerie au Cameroun. Vous me rendez dingue. Les prostituées doivent se taire. Les prostituées comme la fille qui parle là, elle doit se taire. Tu es malade, tu as fumé le chanvre. Est-ce que vous vous rendez compte que elle a quelques jours de son mariage, le gars carrément commence une cabale médiatique pour saboter son mariage. C'est un monsieur que le Cameroun devrait prier, vraiment prier, qu'on voit des prêtres exorcistes pour l'aider. Tu peux pas monter terre. Quand même, mon frère. Juste un instant pub et on se prend après. Bienvenue dans la région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam. Tous ceux qui désirent se lancer dans la musique ou apprendre à jouer aux instruments de la musique tels que piano, guitare, batterie. Ceux qui veulent apprendre à chanter, à danser, dirigez-vous rapidement au centre académique de Mana Music, situé à Bafoussam au lieu dit Tamja. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Notez bien, tous les enfants qui fréquentent leur formation se passent uniquement le week-end à Mana Music Academy. Yeah.
marie avec un Camerounais. Mais vous êtes les premiers à venir la détruire. Mais ce monsieur, purée. L'heure est grave parce que le Cameroun c'est un pays formidable. C'est-à-dire, je pensais souvent que les choses se passaient seulement chez les autres. Maintenant que moi-même je vis ça, je confirme à quel point. Même s'il y a eu quoi, il y a eu quelle procédure de divorce qui est engagée, il y a eu n'importe quoi. Le gars a décidé d'épouser, le gars a décidé d'épouser sa sœur camerounaise. C'est-à-dire que l'argent là, qu'il est même allé prendre là-bas en Europe, ça revient au pays. Il ne faut pas être fort. Vous ne voulez pas. Mesdames, messieurs, je fais cette vidéo pour vous demander. Ayez pitié de Muriel. Elle a déjà trop encaissé. Et c'est comme ça que vous avez fait à Coco Emilian. Pam! Elle est entrée en dépression. Ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas vrai. Pam! Elle est entrée en dépression. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Ceux qui veulent croire, papa, maman, petite soeur, grande soeur, croyez. Le monde part en couille. Si. Catastrophe, Nebaloba. À cause des pressions, des lynchages, des lynchages. Ça vous donne quoi? Je sais que quoi? Le bonheur des gens vous nuit en quoi? C'est le chat en vous. Le bonheur des gens vous dérange en quoi? C'est souillant. Tout le monde n'est pas obligé de réussir. Ça, c'est clair. Le gars Carman commençait une cabale médiatique pour saboter son mariage. C'est un acte de xénophobie. Et on doit le traduire. Il faut porter plainte à ce type. Allah! Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Ils sont en train de me guetter. Vous attendez qu'ils parlent quoi? Le bonheur des gens vous dérange en quoi? Mon frère, les gens vivent leur ndolo avec leur argent. Moi, je vais mettre ma bouche dedans. Moi-même, ma part de couple me laisse. Je pars d'abord gérer ma part de couple. C'est quand ça va me laisser que moi, je vais venir ancrer dans le couple des autres. Vous comprenez, non? Laissez les gens y amour leur amour, mon frère. Pardon, bougez. Quelqu'un m'écrit encore que Franco, tu dis quoi? Et t'es comme ça là. C'était le général Franco. Vous comprenez, non? Occupez-vous de vos propres couples qui vous dépassent et laissez pour les autres. Minami. Si quelqu'un arrive à Yaoundé et qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté de Colbison. Dans cette cité, à 1,5 km du carrefour Colbison sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc, si quelqu'un arrive, donc si un Benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.